Merci pour ces cantiques anciens, hein, pour ces cantiques qui sont toujours d'actualité d'ailleurs. Je bénis Dieu ce matin, nous allons passer un moment devant la parole de Dieu, et c'est ce dont nous avons besoin le plus, justement. Et ce matin, j'étais un peu tourmenté par un texte qui venait à mon esprit, je l'ai cherché, je l'ai trouvé. C'est dans Jacques au chapitre 1 et verset 22. Donc vous allez comprendre de suite le sujet du message, parce que quand on lit ce texte-là, on comprend de suite ce que le Seigneur veut nous dire à nous. Donc je lis dans Jacques chapitre 1 et verset 22, où il est écrit: mettez en pratique. Donc c'est écrit qu'une fois, c'est moi qui le répète un peu, parce que je sais que j'en ai besoin, que nous avons besoin de faire ancrer certaines choses dans notre cœur, dans notre esprit. Et il dit: mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Donc, il est question ce matin, vous le comprenez de suite, que c'est que nous devons assimiler ce que Dieu nous dit par quelque chose de concret. Je voudrais vous lire encore une version à ce sujet. Vous allez comprendre comment elle est claire. C'est toujours dans Jacques, hein, mais c'est une autre version. Je crois que c'est la Bible du Semeur, qui dit: mettez en pratique la parole. Seulement, il dit: ne vous contentez pas, voyez, ne vous contentez pas de l'écouter. Traduisez-la en acte. Il est clair le texte. Hein? Traduisez ce que vous écoutez par quelque chose qui est concret. Sans quoi, il dit, vous vous tromperiez vous-même. Sans quoi, il dit, vous allez vous tromper vous-même. Vous savez, frères et sœurs, je disais un jour, si quelqu'un veut nous tromper, on n'est pas plus bête qu'un autre et on se rend compte quand quelqu'un veut nous tromper ou pas. Donc, il nous parle et on dit, mais je peux le dire en français ou en catalan, hein, ma voilà un gagnant, ok, me prend pour un paillou. Il me prend pour un gageux, il veut me tromper à moi. Non, on sent quand quelqu'un veut nous tromper. Mais quand c'est nous-mêmes que nous parlons à nous-mêmes, quand c'est nous qui parlons à nous, il n'y a pas plus intelligent que nous, vous comprenez bien. Mais la Bible dit, même toi, il dit. Il y a moi et à toi à l'intérieur. Et toi, tu te trompes. Donc écoute-moi, moi, ça veut dire, tu as une personne qui est beaucoup plus haute que toi à l'intérieur de toi-même, c'est moi. Et n'essaye pas de te tromper toi-même. Ne te parle pas. Laisse-moi te parler. C'est-à-dire que nous rentrons carrément dans le message ici, hein? Donc, je lis un passage qui m'a fait du bien. Et je vais vous le lire. C'est dans l'évangile de Jean. Nous allons peut-être lire quelques passages de plus. On va lire la parole de Dieu. Parce que les fondements de notre vie chrétienne ne sont pas autre part. Et vous allez comprendre tout en lisant. Vous savez, des fois, on n'a pas besoin de commenter ce qu'on dit. Parce que c'est tellement clair. C'est Jésus qui parle, c'est dans Jean 14. Vous savez que le Seigneur a dit dans Jean 14 que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, tout l'évangile de Jean chapitre 14 va continuer par ce texte-là. Hein, donc, il vient nous chercher, nous l'attendons avec persévérance, on veut. Et maintenant, nous allons rentrer carrément dans ce que le Seigneur veut pour que nous ayons de l'assurance dans nos cœurs. Notre assurance est dans la foi. Mais vous comprenez bien qu'une foi invisible n'existe pas. La foi est invisible, mais ses œuvres ne le sont pas. La foi est invisible, on croit. Mais ces œuvres ne le sont pas. Vous savez que les choses qui ont été créées par quelqu'un qu'on ne voit pas. Donc, si nous n'aurions pas vu ce que Dieu a créé, comment on pourrait savoir que Dieu existait? Donc, ça veut dire que la preuve que Dieu a parlé, ce qui est invisible, a été traduit par le visible. Des arbres, l'eau, la mer, la terre, la forêt, tout ce qu'on voit, toute la création prouve que Dieu existait. Donc, ça veut dire que ce que nous confessons doit être prouvé par ce que Dieu a fait dans nos vies, par la parole de Dieu que nous vivons. Sinon, notre foi est vaine, elle ne tient pas. Si vous m'aimez, Jean 14 et verset 15, si vous m'aimez,
Gardez mes commandements. Ça veut dire, voilà, c'est la preuve. Et moi, il dit, à partir de ce moment-là, donc c'est écrit comme ça, hein, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure en vous et il sera en vous. L'esprit de vérité. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, il dit, vous me verrez. Vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Donc, à partir de l'obéissance à la parole de Dieu, hein, c'est écrit, le Consolateur demeure en nous. Si je traduis la Bible un peu, on va la comprendre mieux peut-être à l'envers, parce que on comprend un peu, on ne croit pas que l'envers existait. Écoutez bien, si vous ne m'aimez pas, vous ne garderez pas mes commandements. Je le lis l'envers, verset 15. Et moi, je ne prierai pas le Père. Il ne vous donnera pas un autre consolateur, afin qu'il demeure avec vous éternellement. Vous ne l'aurez pas. Vous n'aurez pas l'esprit de vérité. Donc c'est l'envers des choses. Ça existait. Je veux ancrer ça dans mon cœur, qu'il est impossible de se nommer chrétien si nous ne gardons pas la parole de Dieu. La garder, ce n'est pas mémoriser. Il y a des gens qui mémorisent la parole de Dieu. On peut mémoriser un texte. Il n'y a pas que ça. C'est la vie du texte qui se vit par nous, en nous. Alors il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je me ferai connaître à lui. Donc, encore une fois, il y a question de pratique de la parole de Dieu. Celui qui a mes commandements et qui les garde, ce n'est pas de garder une Bible. On ne devient pas un chrétien par l'achat d'une Bible, frères et sœurs. On ne devient pas un chrétien parce que nous sommes sur zélo. On ne devient pas un chrétien parce qu'on se fait baptiser. On se fait baptiser parce qu'on est chrétien déjà. C'est le processus de la vie avec Dieu. C'est pour ça que nous avons tellement de problèmes chez nous, parce qu'on n'arrive plus à distinguer aujourd'hui ce qui est qui. Mais voilà, la parole de Dieu nous dit, si vous, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime, il dit, eh bien, sera aimé de mon Père, je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Maintenant, quand il entend ça, Jude, il dit, lorsqu'il entend ce mot, Jude, non pas l'Iscariote, c'est pas lui, il dit, hein. Le Seigneur sait faire la distinction parce que des Judes, il y en avait beaucoup. Mais il dit non, ce n'est pas celui-là. Hein. Donc il sait connaître qui est qui. Seigneur, il dit, d'où vient que tu te feras connaître à nous? Et non au monde. Qu'est-ce que le monde? C'est-à-dire, le monde, c'est les païens. Écoutez bien, si vous lisez, vous vous arrêtez sur la parole, vous allez comprendre que ce n'est pas simplement les païens, dans le sens de ce qu'on dit, il n'est pas chrétien, lui. Il n'est pas baptisé, lui. Il n'a pas la réunion, lui. Écoutez bien. Pour le Seigneur, dans ce qu'on lit ici, le monde, c'est quelqu'un qui n'appartient pas à la vraie Église. Soulignons. Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Alors Jésus va lui dire, Jésus lui répondit, tu veux savoir qui est qui? D'où vient que je me ferai connaître à vous et pas au monde? Jésus lui répondit, eh bien écoutez bien, vous allez reconnaître qui est qui. Si quelqu'un m'aime, si quelqu'un est à moi et que je suis à lui et qu'on vit dans cet amour, il garde ma parole. Et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Écoutez bien ce que dit Jésus. La preuve distincte de ce que nous appartenons à lui. Il dit, c'est parce que nous l'aimons. Et si nous l'aimons, la preuve que nous l'aimons, c'est que nous faisons ce que Dieu nous demande de faire. Sinon, il n'y a aucune différence entre un païen et quelqu'un qui est baptisé et qui ne fait pas la volonté de Dieu. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai entendu souvent, dans certains endroits, lorsque j'ai eu l'occasion d'y aller, et certaines personnes parlaient, certains païens, en disant comment lui est chrétien. Et il est comme nous. Il parle comme nous, il agit comme nous, il se met en colère comme nous, il se dispute comme nous.
En un mot, il aime ce qu'il aime, mais moi c'est pareil, je n'ai pas besoin d'être baptisé pour ça. Hein. Les païens agissent pareil, disait le Seigneur. Donc, pour vous dire tout simplement qu'il y a ce qui prouve la preuve que nous appartenons à Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est venu d'abord en nous, qui nous a convaincus de péché, de justice et de jugement, que nous nous sommes repentis, que nous sommes tournés vers Dieu et que Dieu nous a montré la croix. Et là, nous avons été émerveillés en sachant qu'il y avait quelqu'un qui avait payé pour nous et que maintenant la vie chrétienne devenait possible. Frères et sœurs, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alors c'est pour cela qu'il disait, si quelqu'un m'aime, il garde ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui et nous habiterons chez lui. Mais il va dire aussi, pour prouver justement que celui qui aime, mais il va dire encore quelque chose, celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. Donc ça veut dire tout simplement, je vous dis celui qui est et celui qui n'est pas. Parce que le Seigneur, il a fallu qu'il précise. Parce que nous, on dira quand même si quelqu'un ne fait pas la volonté de Dieu, s'il n'obéit pas, bah, Dieu le voit. Hein. Non, non, il dit, non, non. Non, il faut que je vous le dise parce que sinon vous serez capable de faire entrer des gens dans la vie chrétienne que moi je ne fais pas rentrer. Celui qui ne m'aime pas. Donc la preuve qu'on aime, il dit, il y a une preuve. Si quelqu'un m'aime, il garde ma parole. La preuve de quelqu'un qui ne m'aime pas, c'est simple, dit Jésus. Mais il ne garde pas ma parole. Et je voudrais en arriver à une histoire qui est arrivée, où les gens ont cru pouvoir vivre une vie. C'est dans les époques de l'Ancien Testament, ça se trouve dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, c'était au temps d'Élie. J'ai pensé ce matin à Samuel. Samuel qui est né d'une mère qui s'appelait Annie. Samuel est né de la grâce. Sa mère s'appelait Grâce. Et il est dans un temps où il y avait un système religieux qui était installé. Il y avait les sacrificateurs, il y avait Élie, il y avait les fils d'Élie, 1 Samuel, chapitre 4. Et il nous est dit qu'en ce temps-là, la parole de Dieu était rare. Les visions n'étaient pas fréquentes. Les visions n'étaient pas fréquentes et la parole de Dieu était rare. En ayant à Silo l'endroit où les gens se rencontraient avec Dieu, c'est-à-dire que Dieu ne parlait plus. Dieu ne parlait plus à personne. Dieu ne parlait plus pas à personne en réalité. Il parlait à des gens qui voulaient écouter. Mais il y avait les dirigeants de ce système en ce temps-là étaient Élie et ses fils. Et eux, ben, écoutaient plus, ils n'écoutaient plus. Ils n'écoutaient plus, et les preuves qu'ils n'écoutaient plus, c'est parce qu'ils ne gardaient plus. Et comme ces gens-là ne gardaient plus la parole de Dieu, alors Dieu les a laissés. Et Dieu a quitté Silo. Dieu n'était plus dans cet endroit, qui pourtant était un endroit stratégique où Dieu se révélait aux gens. Donc Silo a été abandonné par Dieu. Dieu n'y était plus, Dieu ne parlait plus. La parole était rare. C'est-à-dire, pourquoi veux-tu que je te parle si c'est pour ne pas la mettre en pratique? Réalisons, frères et sœurs, quand on prie. Soyons réalistes. Parle-moi, Seigneur. Oui, je veux te parler. Mais c'est pour que tu accomplisses et que tu me laisses accomplir en toi et que tu t'oublies et que tu acceptes. Vous savez, avant, on ne pouvait pas le faire parce qu'on n'était pas né de Dieu. Maintenant, on peut le faire. Pourquoi? Parce que nous sommes nés de Dieu. On est nés de lui. Donc avant, on ne pouvait pas mettre la parole de Dieu en pratique. Mais maintenant, on peut. Et quand on dit « je ne peux pas », Dieu, tu ne veux pas. Parce que tout est possible à celui qui croit. Nous pouvons accepter aujourd'hui que la parole de Dieu soit vécue dans notre vie. Et ce qui fait la différence entre le monde païen et le monde religieux, parce que le monde païen et le monde religieux, c'est le même monde, frères et sœurs. Et en ce temps-là, eh bien, voilà, est né un enfant, il s'appelait Samuel. Et Samuel ne connaissait pas la parole de Dieu. Vous connaissez l'histoire, hein, au chapitre 3, c'est que Samuel grandissait, il dit, hein, Samuel grandissait, il dormait là où était l'arche, donc mais il ne connaissait pas encore la parole de Dieu, mais c'était l'instrument de la vie de Dieu, de la nouvelle naissance, des enfants nés de Dieu réellement, qui veulent pratiquer la parole de Dieu, qui était né et qui était là. Il y avait une lampe qui s'était allumée à nouveau.
En ce temps-là, dans cet endroit, il y avait Élie et les fils d'Élie qui étaient des. Les fils d'Élie étaient des corrompus, hein, c'est écrit dans la parole de Dieu. Et Samuel est né. Et il grandissait. Sa mère, tous les ans, amenait une petite robe. Tous les ans, il faisait une robe à Samuel pour qu'il puisse se changer. Parce que vous comprenez que quand quelqu'un est né de Dieu, il grandit. Hein. On ne peut pas toujours vivre dans les mêmes vêtements. Donc le Seigneur peut voir ce que nos vêtements soient adéquats à notre vie de prospérité avec lui. On grandit avec Dieu. On prospère avec Dieu. Donc on change de ce que Dieu est en train de nous donner. Dieu s'occupe de nous revêtir de ce que nous vivons. Samuel grandissait, pas n'importe où, auprès de l'Éternel. Et Dieu parle à Samuel, comme il ne connaît pas la parole de Dieu, il dit qu'il se lève pendant 2 fois, il va trouver Élie. Il dit, tu m'as parlé. Il dit, Samuel ne connaissait pas encore la parole de Dieu, mais Dieu lui parlait. Et à un moment donné, Élie a compris. Est-ce que vous vous rendez compte, frères et sœurs? Quelle tristesse pour Élie de savoir que Dieu, il fallait qu'il choisisse un enfant parce qu'il n'avait plus chez lui des gens pour l'écouter. Quelle tristesse quand on attend simplement d'aller sur un site de Zélo pour avoir un message, pour écouter la parole de Dieu, pour avoir l'atmosphère, alors que Dieu veut nous parler. Alors que Dieu veut nous parler, il était seul pendant qu'il dormait, il n'y avait personne, il n'y a pas Zélo, il n'y a pas réunion. Et le soir, il entend une voix qui est Samuel. Et pendant 2 fois, il va et il y retourne. Mais la maman comprend et elle dit que Dieu est en train de lui parler. Alors tu diras une chose, dit Samuel, quand tu entendras cette parole, tu diras ce mot. Écoutez bien comment c'est écrit. Parle, Éternel, parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Parle-moi, Seigneur, car je veux écouter. Alors, je bénis Dieu. Et il a écouté. Parce que Dieu veut qu'il y ait un peuple qui l'écoute, frères et sœurs. Ne vivons pas d'émotions, ne vivons pas de sentiments. Soyons des réalistes. L'Éternel continuait, verset 15 au chapitre 3, à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Écoutez ce que c'est beau, c'est une merveille ce qui est écrit ici. Il dit que l'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo. L'Éternel se révélait à Samuel par sa propre parole. Il n'y avait pas d'autre moyen. Et Dieu se révèle à son peuple encore aujourd'hui, pareil que Samuel. Par quoi? Par des révélations, par des songes, par quoi? Par la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est celle que le Seigneur nous a laissée. Et nous comprenons que la parole de Dieu, c'est le Christ lui-même. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël et nous est dit. Et là, j'arrive à ça. Je ne voulais pas vous garder trop longtemps quand même. Mais Pacha m'a dit que j'avais le temps. Alors, les Philistins se rangèrent en bataille. Il y avait guerre. Vous comprenez bien. De suite qu'il y a la parole de Dieu qui est gardée, les Philistins se lèvent. Élie n'était pas prêt à ça et même pas ce qu'il était en train de diriger. Ses fils étaient des sacrificateurs, dire la parole de Dieu. Phinehas et Ophni s'appelaient. C'était deux hommes qui étaient corrompus. La Bible dit que ces deux hommes qui étaient sacrificateurs ne connaissaient pas Dieu. Vous comprenez? C'est la même image que je voudrais vous donner ici, comme si on dirait des prédicateurs, des pasteurs, des serviteurs qui ne connaissent pas Dieu. C'est la même image. Ça a existé, ça peut exister encore aujourd'hui. Ce n'est pas un métier, frères et sœurs. Non, 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 c'est une vocation, c'est ce que le Seigneur a fait pour nous. Alors il dit, les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël, le combat s'engagea, Israël fut battu par les Philistins, qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4 000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent, pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? C'est bien de se poser des questions quand même. Et ils ont bien fait de poser des questions, les anciens, c'est-à-dire ceux qui étaient à la tête. Et je voudrais dire ici sans honte, je parle à mon nom, je parle au nom de tous les prédicateurs, je peux le dire tout simplement comme ça. Il est bien de se poser les bonnes questions. Comment ça se fait que, pourquoi? Donc, il faut que nous trouvions la solution. Nous la connaissons, la solution. Le Seigneur va nous la rappeler ce matin. Hein. Donc, ils ont posé la question, pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre? Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, allons chercher à Silo
l'arche de l'alliance de l'Éternel. Vous savez que dans l'arche, il y avait tout ce qu'il y avait au temps de Moïse. Hein, dans l'arche, c'était cet endroit où on avait mis le bâton de Moïse, la manne qui était dans le désert. Et ils ont gardé un certain nombre de poids de manne à l'intérieur et la loi aussi qui avait été donnée à Moïse. Donc il y avait dans cet endroit tout ce qui représente tout l'enseignement que nous avons, toute la doctrine. Il y avait la parole de Dieu en priorité qui était à l'intérieur, donc les tables de la loi. Il y avait la manne qui est le symbole du pain, du vin, de la Sainte Cène que nous prenons. Et il y avait aussi le bâton de Moïse, d'où nous proclamons, nous, que c'est le bâton du miracle. Et nous confessons encore aujourd'hui que chez nous, il y a des miracles, qu'il y a la parole de Dieu et qu'il y a la Sainte Cène. Béni soit Dieu, pour le moment, on ne l'a pas encore, mais on la prendra bientôt, ne vous en faites pas. Alors il dit que allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous. Et là, voilà le problème. Écoutez bien, je vous le dis ici, hein, et qu'elle vienne nous délivrer de la main de nos ennemis. En un mot, au lieu de chercher Dieu, ils ont cherché des méthodes. Proclamons la doctrine, proclamons ceci, frères et sœurs, écoutez bien. Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche. Ils l'ont fait, de l'alliance de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phinèse, étaient là avec l'arche de l'alliance. Deux hommes qui vivaient carrément dans le péché, et avec tout le respect que je vous dois, et ils vivaient dans l'adultère. C'est écrit. Ils faisaient n'importe quoi. Et eux ont le toupet, excusez-moi de vous dire de cette façon, de venir accompagner l'arche. Comment ne voulez-vous pas que Dieu ne soit plus avec Israël? Comment ne voulez-vous pas que Dieu ne soit plus d'accord avec Israël? Oui, mais attendez, on va chercher la doctrine, on va chercher le bâton de Moïse, l'arche, le symbole de la présence de Dieu, le symbole de la présence de Dieu. Les symboles ne sont pas suffisants, frères et sœurs. Les symboles ne sont pas suffisants parce que les symboles ne représentent pas réellement la présence de Dieu à ce moment-là. Et écoutez bien ce qui est arrivé. C'est qu'au moment donné, quand ils ont vu l'arche rentrer, alors, lorsque l'arche de l'Alliance de l'Éternel est entrée dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre fut ébranlée. Donc, louange, gloire à Dieu, béni soit Dieu! Tout ce qu'on veut, quoi, toute la panoplie de la véritable réunion avec toute l'onction, soi-disant, parce que vous comprenez bien que l'onction véritable n'y était plus. Il n'y avait que du bruit, c'était du bruit qui n'aboutissait à rien. Ça existe aujourd'hui. Si quelqu'un m'aime, il garde ma parole, moi je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Il y a des conditions. On dirait que le conditionnel n'existe pas. Mais qu'est-ce qui est en train de nous arriver, peuple de Dieu, Seigneur Jésus, aide-nous à comprendre cette vérité. Comment pouvons-nous vivre d'illusions? L'illusion, c'est illusionniste. Un illusionniste, c'est vous faire croire quelque chose qui existe, qui n'existe pas. Ils vous font paraître une fleur et ce n'est pas vrai. Elle n'existe pas. Il nous a séduits. C'est ça, l'illusionniste. On ne peut pas vivre d'illusion. C'est une réalité, la parole de Dieu. Elle est vécue dans l'Église du Christ. Écoutez bien. Et eux commencent à louer Dieu, à sauter, à faire ébranler la terre. Ce n'est pas le ciel qui se mouvoit. Hein. C'est écrit. C'est la terre. Alors il dit qu'ils ont sauté de joie, ils ont loué, ils ont. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins, dit la parole de Dieu, qui dirent, que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Et les Philistins eurent peur. Mais bien sûr qu'ils ont peur, les Philistins. Mais bien sûr que l'ennemi a peur. Ce n'est pas un problème, ça. L'ennemi a peur de l'Église, lorsque le Christ est dans l'Église, bien entendu. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent, et oui, ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en était pas ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, malheur à nous. Qui nous délivrera, dira les Philistins, de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Ils savaient, eux, que le vrai Dieu était un libérateur. Ils savaient que le vrai Dieu que nous avons est un Dieu puissant, réel, véritable. Et que ce Dieu a délivré
Israël d'Égypte, que ce Dieu que nous avons avec nous est plus grand que tout ce qu'il y a dans le monde. Ils savaient, ils savent, le diable sait que celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ils savent que l'Église est puissante parce que le Christ est au milieu de sept chandeliers. Et Christ est là, c'est lui qui a vaincu. Ils le savent. Alors ils ont eu peur. Alors la Bible dit que voici les Philistins les villes de bataille. Ils furent battus, Israël. Israël fut battu. La défaite fut grande. Et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise. Et les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, moururent. Et lorsqu'Élie a su ce qui était arrivé, lorsque les gens sont arrivés pour dire à Élie le prophète, ou le sacrificateur plutôt qui était chez lui, Élie, lorsqu'il arriva, Élie était assis à la tente sur un siège, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. Voyez, frère, on dirait que cet homme était spirituel. Et on dirait, t'as vu quelle inquiétude il avait pour l'arche? Mais il n'était pas spirituel, cet homme. Il s'inquiétait plus pour les choses matérielles que pour les choses spirituelles. Il aurait dû être inquiet par rapport d'abord à ce que Dieu ne lui parlait plus. Il aurait dû être inquiet de ce qu'il n'entendait plus la parole de Dieu. Il aurait dû être inquiet, non pas pour les choses matérielles. Frères et sœurs, si on amène, nous, ce qu'on connaît, même s'il y a une Bible chez nous, même si on amène l'onction d'huile, nous faisons tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ils avaient le symbole de la parole de Dieu dans l'arche. Il y avait tout ce qu'il fallait. Mais les symboles ne sont pas suffisants, frères et sœurs. Même si on fait les choses qui sont écrites, mais si Dieu n'est pas avec nous, ce qui fait la différence, ce qui fait la force des symboles, c'est Dieu d'abord avec nous. Sinon, rien ne sert à rien. Vous pouvez mettre 1 litre d'huile sur la tête de quelqu'un, excusez-moi le mot. On peut dire, mais on va prendre la Sainte-Seine, on peut manger une baguette de pain si on veut. Mais on comprend que ces choses, ça ne marche pas. Au contraire, même Paul dira, si vous prenez la Sainte-Seine n'importe comment, c'est un jugement contre vous. Donc, remettons-nous en question ici. Et si je dis ça, si j'ai donné cet exemple, c'est pour démontrer qu'il faut que nous revenions à la parole de Dieu. Et que la parole de Dieu, c'est tout simplement ce qu'a dit le Christ. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et moi, je prierai. Après que je verrai que quelqu'un garde mes commandements, moi, je prie parce que je prie pour ceux qui gardent la parole de Dieu. Comment voulez-vous? D'où vient que tu te feras connaître à nous et pas au monde? Et au monde, non. Il dit, mais écoutez bien, c'est simple. Il dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements et je me ferai connaître à vous. Mais au monde, je ne peux pas me faire connaître, moi. Ni au monde païen, ni au monde de ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Frères et sœurs, la défaite a été grande. Israël fut battu. Et tout en ayant tous les symboles, Israël fut battu. Les symboles chez nous ne sont pas suffisants. On connaît la doctrine, on connaît les cantiques, nous sommes dans la vérité. Frères, si la vérité n'est pas vécue, c'est une erreur. C'est un mensonge, frères et sœurs. Ce qui fait la vérité de l'Église, c'est le Christ en nous. C'est la parole de Dieu qui est vécue. Et nous ne nous bornons pas à l'écouter. En nous trompant nous-mêmes par des faux raisonnements, dire à la parole de Dieu, mais mettons en pratique la parole de Dieu. Il est impossible que nous soyons la véritable Église, la vraie Église. Ils ont gardé ma parole, a dit Jésus, et gardé sa parole. Ce n'est pas enregistrer un message, c'est le vivre en nous. Nous ne nous trompons pas, frères et sœurs. La victoire est pour le peuple de Dieu. Mais nous avons vu un temps de détresse. Je voudrais vous dire que quelque temps plus tard, je finis ici. Le peuple, après, a compris qu'il fallait faire autre chose. Hein? Et les Philistins ont pris l'arche, ça a été une honte pour eux. Ils l'ont amené dans leur dieu. Ils l'ont mis les Philistins ont pris l'arche, ils l'ont mis dans leur temple à eux, c'était Dagon. Hein? Ils l'ont mis là, à l'intérieur. Le matin, quand les prêtres philistins se sont levés, ils ont vu que Dagon était tombé devant l'arche. Tu as été coupé peut-être. Quand un peuple n'arrive plus à défendre, quand un cœur n'arrive plus à défendre les choses de Dieu, porter les choses de Dieu et les honorer et les défendre, se battre que pour ça. Ceux qui ont honoré Jésus-Christ dans Jean 17, c'est qu'ils paient, ils ont gardé ta parole. Et garder, c'est vivre, pratiquer. Alors Dieu s'est défendu tout seul. Dagon s'est prosterné devant l'arche, devant la présence de Dieu. Il n'y a pas un peuple, je le ferai tout seul. Vous comprenez bien, mais il y avait une lignée de Samuel qui commençait à suivre. Et Samuel était le porteur de la vérité. 20 ans plus tard, il dit,
Le peuple a demandé en gémissant, ramenons l'arche chez nous. Nous voulons la présence de Dieu à nouveau. Alors Samuel a dit, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à Dieu, alors il dit, abattez vos idoles. Arrêtons avec nos idoles, tout ce que nous avons chez nous. On n'en a pas. Oui. Oui, on en a des idoles. La Bible dit que dans les derniers temps, les gens auront plus le plaisir plus que Dieu. Et vous le savez très bien de quoi je vous parle, frères et sœurs. Hein? La plus grande idolâtrie du peuple aujourd'hui consiste justement sur Internet, où les gens passent plus de temps sur Internet, devant la télévision, que devant Dieu. C'est ce qui prend la place de Dieu qui devient une idole, frères et sœurs. On n'a pas des saints, c'est nous. Vous savez, il n'y a pas plus saint que quelqu'un à qui on se prosterne pendant des heures. Hein? Donc, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et quand le peuple est revenu à Dieu, ils se sont débarrassés de tout. Et la Bible dit que pendant que les Philistins sont venus en guerre, et je finis, hein, il dit que Samuel a pris un agneau de lait et a commencé à l'offrir à Dieu. Et au moment où il offrait l'agneau, après la repentance, après la confession, le sang a été versé là. Parce que le sang de Jésus-Christ est efficace pour ceux qui confessent leurs péchés, qui les délaissent. Et le sang de Jésus-Christ purifie de tout péché. Et Dieu a donné la victoire à Israël. Oui, frères et sœurs, nous voulons crier de tout notre cœur pour que notre foi ne repose pas sur des mots, sur un zélo, sur des réunions, mais sur une réalité. Élie a été trompé avec ses fils. Ça a été la ruine. Mais Dieu s'est levé un peuple. Et Dieu s'est levé un homme comme Samuel. Pour défendre les choses de Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, il vous donnera le vrai consolateur. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Voilà, merci Xavier ce matin pour la parole qui a été donnée. J'étais en train d'écouter Xavier.